Megamindy passe les menottes au brigand Balthazar, puis à la vitesse de l'éclair, range le magasin de Mamie Fontaine. Plus un bonbon ne traîne au sol. Fin. Waouh. Waouh. Bon, les copains, il va falloir que je rentre à la maison, hein, d'accord? Ah oui, ok. Oh, j'étais contente de vous avoir vu. Ça m'a fait trop plaisir. Bon, la prochaine fois que vous repassez dans le coin, vous me prévenez, d'accord? Okay, oh non, okay. non, il est trop tôt pour dormir. Allez, Fred, raconte encore une histoire, s'il te plaît. Mais non, Sanson, il est vraiment très tard, c'est l'heure de dormir, là. Et puis, je te rappelle que demain, on doit tout ranger avant de reprendre la route. Non, du ménage. Je serais prêt à offrir ce que j'ai de plus précieux à Megamindy pour qu'elle vienne tout ranger à ma place demain. Ça risque pas d'arriver, Sanson. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as de si précieux, là, dans ton panier? J'ai un trésor caché dans mon panier. Oh. Rien n'a plus de valeur à mes yeux. Ok, bon, ben, les amis, je vais y aller. Okay. Et à très bientôt. Salut Nathalie. Et salut Parapluie. Non, Nathalie, Sanson. Bon, et pour nous aussi, il est l'heure de dormir, là. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, Sanson. Bonne nuit, Fred. Allez, on s'active, Sanson. Je me tape tout le travail moi-même, là. On y va. Hop, 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 hop. Allez, on doit faire des tâches ménagères, là. Il faut qu'on s'en aille, là. On n'a vraiment pas le temps. J'ai pas envie de faire des vaches boulangères. Les tâches ménagères, Sanson. Moi, je vais aller au village déposer ce sac poubelle dans le conteneur, puis j'irai faire quelques courses, donc j'en ai pour une heure ou deux pendant ce temps-là. Toi, tu vas ranger les chaussettes, tu vas faire la vaisselle, tu vas me donner un petit coup de chiffon partout. Allez, hop, 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 hop. Oh, mais Fred, je suis si fatigué. Oh, pas de blabla, Sanson, au travail. En plus, j'ai très mal dormi. Je ne veux rien entendre, Sanson. On s'y met, allez. J'ai mal au bas. Oh, Sanson, arrête ton cinéma. Allez, on s'active, il faut qu'on démarre, là. Hop, 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 hop. Sanson, allez, à tout de suite. J'ai vraiment pas envie de faire des vaches boulangères. Oh non, et Fred est déjà de retour et j'ai encore rien rangé. Bah, entre. Oh, Megamindy. Non, moi c'est Meganat. Ah, ok. Il y a du désordre ici. Et s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est le désordre. Moi, je trouve que ça va encore. Sanson, je sens que tu as besoin d'un petit coup de patte. Je te propose un marché. Je t'aide à ranger tout ça. Et toi, en contrepartie, tu m'offres le trésor que tu caches dans ton panier. Mais comment vous savez que j'ai un trésor dans mon panier? Vous avez des super pouvoirs. Je sais tout. Bon, alors, Sanson, marché conclu? Je réfléchis. Oui, marché conclu. Ok. Un mot, une fesse, Meganat, c'est le reste. Oh, waouh! Mais c'est super bien rangé ici, Sanson. Ouais. Mais c'est incroyable, waouh! Et c'est moi qui ai tout fait, tout seul. Vraiment? Oui. Tout seul? Tout seul. J'ai du mal à le croire, ça, Sanson. Bon, ben j'avoue, j'ai été aidé par une super-héroïne. Une super-héroïne? Mais oui. N'importe quoi, Sanson. Il faudrait peut-être que j'arrête de te raconter des histoires, non? Mais je t'assure que c'est la vérité. J'ai été un tout petit peu aidé par... Meganat. Meganat, tu veux dire Nathalie? Non, Meganat. Elle a accepté de tout ranger et de tout nettoyer en échange du trésor qu'il y avait dans mon panier. Oh, j'en reviens pas, Sanson. Oui, mais... Par contre, quand je lui ai donné mon trésor, elle avait l'air plutôt fâchée. Elle a dit qu'elle voudrait plus jamais venir nettoyer pour moi. C'était quoi ton trésor? Oh, une photo de ma petite bobine. Une photo de bobine? Oui, pourquoi tu rigoles? Il n'y a rien de plus précieux pour moi que bobine. Oh...